Il est quand même 14 heures passées parce que j'ai lancé live plus tard parce qu'il y avait pas mal de trucs à gérer tout ça. D'ailleurs, juste sachez une chose, après Mario Kart, exceptionnellement, et évidemment pour le plaisir de ma communauté, ça n'a aucun rapport avec mon envie de jouer, on partira sur Pokémon. On partira sur Pokémon pour au moins une heure et demie. Voilà, une petite session Poké. Petite session Poké. Mérité. Tu as vu les annonces de Game Awards? Tu parles de Hades 2? Oh oui, j'ai vu. J'ai vu l'annonce de Hades 2, effectivement. Bah écoutez, ma hype est à son maximum, c'est sûr que c'est... Oui. Oui. Je suis évidemment extrêmement hype par Hades 2. Vous en rappelez que Hades, ben, je l'avais fait en live et j'avais adoré le jeu, pour celles et ceux qui s'en rappellent. Et évidemment, on fera Hades 2, bien sûr. Bien évidemment. C'est normal. Hades 2, ça va être fou, je pense, ouais. C'est la première fois que Supergiant fait une suite. Ouais, j'ai juste... j'espère que ça suivra au moins la même qualité que Hades, parce que Hades, c'est vraiment un jeu qui a retourné le cerveau de pas mal de gens. C'était une vraie dinguerie, très addictif, très très beau surtout aussi. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Merci Kashmir pour le 5e mois, merci aussi à Stiller Z pour le 14e mois, merci à Intégeek pour le 15e, Léo pour le 4e, Sarapel pour le 17e, Ziffer pour le 12e aussi. Merci beaucoup. Merci pour les resubs. Vu la bonne annonce, ça a l'air... Oui, ça a l'air très bien. Ça a l'air très très bien. Il y a PA qui est devenu accro à Hades. Oui, j'ai vu que PA, Domingo, a découvert Hades, là, tout récemment. Alors que c'est une dinguerie sans nom, Hades. Et d'ailleurs, je sais pas si vous, ça vous fait ça, si vous avez déjà joué à Hades. Alors déjà, si vous avez jamais joué à Hades, n'hésitez pas à prendre le jeu et à essayer le jeu. Voilà, déjà, premièrement, c'est premier degré, c'est une valeur sûre Hades. Parce que c'est une difficulté qui est aussi croissante. Donc je pense que ça peut convenir à plein de gens. Au début, c'est... En fait, on s'en fout au début de mourir, c'est un peu le principe, quoi. Donc du coup, c'est vraiment jouer à ce jeu, c'est une dinguerie. C'est disponible sur plein de plateformes, notamment sur Switch, sachez-le. Genre, tu peux tout à fait jouer en portable à Hades, enfin, c'est trop bien. Et vous allez voir à quel point c'est addictif et à quel point c'est bien, quoi. Et du coup, c'est ça que je voulais vous dire. Vu que moi, j'ai joué à Hades pendant pas mal de temps, hein, je sais plus combien j'ai d'heures sur Hades, mais j'ai beaucoup joué. En fait, à chaque fois que je vois des gens jouer à Hades ou que j'entends parler de Hades, en fait, ça me donne juste envie d'y jouer. Tout le temps. Depuis que le jeu est sorti et depuis que je l'ai fait, à chaque fois que des gens parlent d'Hades ou quoi, ça me donne envie d'y jouer. Je me dis, allez, petite run, allez, petit truc, enfin, tout le temps. C'est trop, quoi. Oh, Connie qui tombe ici! Moi, j'ai envie depuis deux jours, c'est horrible. Bah ouais, c'est ça. Pareil pour Breath of the Wild. Ah bah, ouais, après Tears of the Kingdom, là, ça arrive en mai, t'inquiète, ça arrive fort. En ce moment, il est à moins 50% sur Steam, Hades. Bah, prenez-le, en vrai, prenez-le. Voilà. Hades 2 ou Diablo 4? Ah, ça, c'est un beau débat. Dans l'idée, je préfère donner de l'argent à Supergiant qu'à Blizzard, étant donné que j'en donne déjà pas mal avec WoW, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire en termes de logique. S'il fallait choisir, en termes de logique, j'aurais eu ça. Je préfère donner des thunes à Supergiant qu'à Blizzard, tu vois. Donc... Hades 2. Voilà. Si vraiment, tu vois. Il est aussi à moins 50 sur Switch. Hades ? Ah bah, allez-y alors. Foncez. Merci Wanagic, 29 mois. Tiens, merci beaucoup. Merci Ylvanar aussi, 31 mois. Merci beaucoup. Moi, ce que je retiens, c'est que Elden Ring GOTY. Alors... Effectivement, au final, le jeu de l'année, ça a été Elden Ring et ça n'a pas été... ça n'a pas été God of War. Qu'est-ce qu'on en pense de ça, en vrai? Moi, j'ai pas suivi, j'ai pas vu, j'ai pas... Tu vois, je suis pas allé plus loin que ça. Mais... et surtout, moi, j'ai pas fait God of War, donc je peux pas dire. Mais c'est juste que Elden Ring méritait le GOTY, selon moi, tu vois. Honteux. Mérité de zinzin. Logique, tant mieux. Honteux, légitime. Mérité. Normal à mes yeux, mérité. Pas étonné. C'est mérité. Moi, je suis d'accord. Normal. Honteux. C'est logique, mérité de fou, pas logique du tout, n'importe quoi, God of War surcoté, mérité, non mais oui, large, doudoune.
De quoi? Je pense que... Okay, j'aime les pâtes. Ok. Et vous trompez, hein? Vous trompez de cuir, robinet, gant, robinet, framboise. Ok. Ok, robinet, ok, ok. Le tournoi n'a pas commencé, non, je suis en échauffement. Ok, ok, bon, je vois que c'est un avis qui est quand même mitigé avec une, quand même une majorité de mérité. Alors, je n'ai pas fait God of War, donc c'est vrai que je peux pas commencer à juger de manière incisive, etc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai bien fait Elden Ring. Et ma foi, avec Elden Ring, on a clairement affaire à un des meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo, tu vois. Donc, est-ce que c'est le cas de God of War? Tu vois? Est-ce que God of War est aussi clairement un des meilleurs jeux de l'histoire du jeu vidéo? Tu vois? C'est ça, le truc. Je sais pas. Dose. Ah, y a aucun dosage dessus. Y a aucun dosage. Je te promets que Elden Ring est un des jeux les plus réussis de l'histoire du jeu vidéo. C'est pas une vanne. C'est pas une vanne. Je le ressens vraiment. Franchement, level design exceptionnel, game design exceptionnel, hyper complet, magnifique. Stable, en tout cas moi sur Play 5, ma version. Pour tout le monde. Autant les gens qui sont débutants que des gens qui sont giga forts. Enfin, c'est... Honnêtement, il n'y a pas énormément de défauts à Elden Ring. Hein. Moi, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de défauts, quoi. Tu vois? Est-ce que c'est au-dessus de Breath of the Wild? C'est difficile. En fait, le truc, c'est que Breath of the Wild, c'est sorti en 2017, hein, sur la Switch. Tu vois? Donc, c'est ça aussi, c'est à prendre en compte. Hein. C'est à prendre en compte. Attends, tiens-toi. Cette petite bombe, c'est cadeau. Oh, l'hésitation. Non, mais attendez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, s'il vous plaît. En gros... Ah, donc ça, c'est du focus. Ok, d'accord. En gros... Franchement, si c'était sorti à quelques mois d'intervalle, on aurait pu un petit peu juger, tu vois. Mais là, pas trop, je trouve. On peut pas trop comparer Elden Ring et Zelda Breath of the Wild. Je trouve qu'on peut pas trop. Surtout que... Alors, je me trompe peut-être. Mais à mon avis, Zelda Breath of the Wild a influencé le développement d'Elden Ring. Voilà, au niveau de l'open world. Voilà, je m'arrêterai là, ce n'est que mon avis. J'en sais rien, mais je pense. Voilà, je pense. Parce que dans l'histoire du jeu vidéo... Merde. Dans l'histoire du jeu vidéo, nombreux et nombreuses sont les personnes qui disent que Breath of the Wild a inspiré de nombreux jeux open world qui sont sortis ensuite. Hein. Oh, je me suis pris ma verte comme une merde. Mais je vous jure... Non, mais je vous jure, c'est pas une histoire de dosé ou quoi. Hein. Je vous jure qu'il y a plein de gens qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo qui disent que Zelda Breath of the Wild a influencé le jeu vidéo. C'est pas une vanne. Je vous jure que c'est vrai. Et vu que c'est quand même sorti 5 ans après... Putain, je fais quand même 9e, je suis chaud. Hein. Putain, c'est... Je suis chaud quand même. Hein. Je suis très très chaud aujourd'hui. En regardant ton let's play de Breath of the Wild, j'étais très surprise de voir les similarités avec Elden Ring. Genre, Elden Ring, c'est Breath of the Wild pour les adultes. Quoi? Tu sous-entends quoi? Arrête! Quoi? Wow! Influencé, oui. Inspiré, non. Oui, influencé, oui. Wow, attends. Après, j'ai pas réussi à traverser de mur sur Elden Ring. Ce qui en fait un jeu un peu moins bien, selon moi en tout cas. Voilà. Tu es un enfant, Ponce. Mais je suis un enfant et je resterai un enfant toute ma vie. Et ça me va très bien. Ça me va très très bien. Breath of the Wild surcoté. Non, mais c'est pas parce que toi t'as pas trop aimé que c'est surcoté. Breath of the Wild est un des plus gros chefs-d'œuvre de l'histoire du jeu vidéo, c'est tout. En fait, c'est. Mais en plus, moi je suis super objectif. C'est un des plus gros chefs-d'œuvre de l'histoire du jeu vidéo, Zelda Breath of the Wild. Pour plein de raisons, quoi. Pour plein de raisons. Non, mais l'abus. Mais je te jure que c'est vrai. Derrière FF14, mais ok. Je te jure que oui. Elden Ring devait déjà être en développement quand Breath of the Wild est sorti. Ouais, tout à fait, c'était en développement. Mais il y a 5 ans de différence de sortie. Donc c'était en développement, mais je pense que ça s'est... Je pense que ça a réfléchi ensemble, tu vois.
Oh non, Vachemar, mais comment tu peux dire ça alors que tu es sub depuis si longtemps à la chaîne? Breath of the Wild est une déception inimaginable, le jeu est vide, mais genre vraiment vide. Non. Waouh. Est-ce que tu crois que tu auras commencé le speedrun Odyssey pour la sortie de Tears of the Kingdom? 100% sûr. Le speedrun de Super Mario Odyssey commence tout début janvier, vous pouvez, pouvez noter ça. Ce sera un des premiers lives du mois de janvier, ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Merci Moka pour le 2e mois, merci Kazibubs pour le 41e mois, Magical Miggy, merci pour le 9e, Lisa, merci pour le 9e aussi, Demogé, merci pour le 30e mois, Nemeru pour le 28e, Pompadour 1992, merci pour le 2e mois de Prime. Merci Offensive de Queen pour le 16e, Loki pour le 30e mois aussi. Moi par exemple, j'ai eu du mal à accrocher au jeu à cause du fait que t'es lâché à l'aveugle sur une map. Plus je vieillis, plus j'aime les open world guidés un minimum. Ah, chacun son d'elle, je comprends. Merci Arcamus, 25 mois. Polo, 21 mois. Vabrico, 4 mois. JP Aynormand, merci pour le 13e mois. Taiga, merci aussi pour le 22e mois. Merci Enigmatos pour le 16e. Et merci à Neige, à l'instant... Neige, pardon, pour le 14e mois. Et Rome, à l'instant même, pour le 27e mois. Merci à vous, merci beaucoup. On est parti sur une nouvelle map du DLC. Je vous le rappelle, Jardin Peach. Une map exceptionnelle du DLC avec une mécanique hyper intéressante qui est le dernier tour en mode miroir. Voilà. Plutôt très cool, en vrai. Plutôt très très cool. Vous savez que Tears of the Kingdom, moi j'en peux plus parce qu'en ce moment je pense souvent à Tears of the Kingdom. Et pourtant, entre Pokémon et WoW, je suis gâté quoi. Donc je pourrais faire autre chose de ma vie, mais je pense beaucoup à Tears of the Kingdom, donc Zelda Breath of the Wild 2. Et je commence un peu à m'impatienter, ce qui est chiant. Parce que ben, j'avais réussi à complètement omettre ça, tu vois, et à me dire non, non, mais t'inquiète, ça arrivera quand ça arrivera. Mais là, je commence un peu à m'impatienter, c'est chiant. Et oh putain, il y a une bleue. Mais comment je peux passer de 10e sur une map à genre premier avec de l'avance après un tour? C'est pas... c'est bizarre. C'est trop bizarre. Ouh. Ok. Ouais, j'ai pas gardé mon champi pour cut. J'ai pas gardé mon champi pour cut. Mais j'en viens même à me dire que mon... Tu vois, mon message de bonne année pour mes amis, mes proches, ma famille, et même aussi pour vous, tu vois, sur les différents réseaux WOT, j'ai l'impression que mon message de bonne année, ça va juste être « Souvenez-vous que Tears of the Kingdom sort en 2023, bonne année », tu vois, ça risque d'être un truc comme ça. Ça commence à être... Attends, l'affaire, tu peux me la prendre dans la gueule et esquiver la bleue. Oh la dinguerie que je viens de faire. Dommage que ce jeu soit random, quoi, mais bref, tiens. C'est mes pièces, merci. Tranquille. Mais ouais, non, l'année 2023, pour moi, c'est juste Tears of the Kingdom, hein. Le reste... Pourtant, j'ai pas mal de beaux trucs de prévu, hein. Avec Céline notamment, on vous prépare de belles choses pour l'année 2023, mais Tears of the Kingdom, quoi, tu vois, ça le truc. C'est Tears of the Kingdom, quoi, je sais pas quoi vous dire. Oula. Oh oui, la bleue. Oh oui, la bleue juste avant la fin, messieurs dames, qui peut justement venir me donner une pole position. J'arrive à tourner vers la gauche, tourner vers la droite. Oh, le jump. Trop court. Ok, les verts qui peuvent toucher justement, mais... ok, non, dommage. Mais pourquoi? Bah pour essayer, on est là pour s'échauffer. Melden Ring, merci beaucoup Melden Ring pour les 10 subgifts. Et pour tous les subgifts en fait, parce que tu en fais 10 par semaine, je crois. Donc merci beaucoup Melden Ring, c'est trop gentil. Merci pour le soutien, Melden Ring. Merci Elodie aussi pour le 21e mois. Merci Ghetto Millionnaire pour le 11e, Astral pour le 4e, William Cramps pour le 27e, Monster Rose pour le 31e. Je reste dans l'ombre, mais c'est toujours un plaisir d'être une très jolie fleur. Des bisous. Bisous Monster Rose. Merci Joker Rini aussi pour le 2e mois, Apostrophe pour le 24e mois. Les 2 ans, la salade. Let's go. Go nous teaser sur ce que tu prépares avec Céline. Vous teaser sur ce que je prépare avec Céline? Bah déjà, en fait, il suffit de regarder déjà mes Donation Goal The Event 2022 pour vous douter qu'il y a pas mal de trucs en cours de créa, quoi. On a un... Vas-y, je dis ça parce qu'en vrai, c'est rigolo. Mais en gros... Non, je le dis pas. Non, je sais pas. Arrête! Arrête, je sais pas.
Ok. Non, je dis rien, je dis rien, je dis rien. Tranquille. Même les plus anciens. Oh, bah tu sais, on commence à en avoir fait beaucoup, hein. On commence à en avoir fait beaucoup. Fais gaffe. Non, je dis rien. Oh, salut Céline, ça va? Ça va, Céline? Merci Loutrinette pour le 3e mois. Merci Jaspi pour le Prime aussi. Et Woody pour le 17e mois. Merci à vous. Ok, donc Céline, ça veut dire que je parle pas du tout du call qu'on a lundi matin. J'en parle pas de ça, par exemple. Ok. En vrai, j'ai hâte. Tranquille. Tranquille, tranquille. Non, on parle pas. Ah, ok, ok. Bon, bah, j'en parle pas. Je dis rien. Non, mais je dis rien. Pas de soucis. Non, mais j'en parle pas. J'ai rien dit. De toute façon, c'est pas mon genre, hein, de leak auprès de la communauté et de dire des infos que je devrais pas dire. C'est tellement pas du tout mon... C'est pas du tout le genre de la maison, hein. Ah non, alors là, ça m'est arrivé peut-être une fois en l'espace de 5 ans. Allez. Non, par contre, on rigole, tout ça, leak, machin, tout ça, mais... qu'est-ce que vous pensez de mon niveau de jeu? Hein? Franchement. Pouf. Bof. Ok. Let's go. Parce que pour moi, là, il va vraiment falloir voter oui, hein. À la prédiction que je vais lancer dans 5 minutes, d'ailleurs, c'est trop grave. C'est trop fucking grave, dude. The fuck, dude. What the fuck? Regarde, je pars là, tac. Boum, je passe ici. Voilà. Le jump à la fin de la game d'avant. C'est une nouvelle map que j'ai roulé 4 fois dans ma vie et je voulais tester une trage. En vrai, c'est... J'ai raison, c'est l'échauffement, non? Regardez-moi l'avance que je leur mets, ils comprennent même pas. Ils savent même pas ce qui se passe. Regardez. Ah, il y a une bleue, je l'ai vue. Eh ben, c'est bien. Attends, peut-être un klaxon? Non. Heureusement que, grâce à une run quasi parfaite, j'arrive à avoir une avance exceptionnelle, ce qui me permet de pas être... Attends, j'envoie la banane derrière. L'éclair qui arrive. Ça aurait pu faire mal, mais tranquille, c'est une première place. Je vous rappelle que le tournoi commence à 15h. C'est un tournoi qui a lieu tous les dimanches. Il commence à 15h, il termine à 16h30. C'est un tournoi de 1h30, avec 24 courses au maximum. Et voilà, il n'y a pas de nombre limite de participants. Tout le monde peut venir, il n'y a pas de souci. Et oui, j'ai dit derrière, la banane derrière. Bah oui, parce que je l'ai lancé devant et que ça a rebondi sur le panneau pour l'envoyer derrière. Vous avez pas vu? C'était le but, c'est pour ça que j'ai dit derrière. Bois vermeil. Bah oui, le Lewis Hamilton de Mario Kart. Bah oui. T'as quoi comme collation, Ponce? C'est très important. Elle est allée vers l'avant. Oui, mais elle a rebondi sur le panneau et du coup, elle est allée derrière. C'était ça, c'est la fin, c'est le skills, quoi. Alors, collation. Je vous en parlerai tout à l'heure au moment de la prédiction, d'accord? C'est différent d'habitude, honnêtement. C'est différent d'habitude. Et tranquille. Est-ce qu'il faut les circuits du DLC pour faire le tournoi? Non! Tous les circuits DLC, vous pouvez les jouer en tournoi ou en online, si jamais, en fait, elles font partie des propositions. Si elles font partie des propositions parmi les maps, alors vous pouvez les choisir. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir le DLC pour ça. Voilà. Non, pas de pastel aujourd'hui, j'avoue. Non. Non. Une personne anonyme a offert 6 mois d'abonnement à Chaussons Chaussettes. C'est super gentil, les 6 mois d'abonnement à Chaussons Chaussettes. Merci. Pas de pastel égale win. C'est mort, du coup. Je vote non, du coup. Bah non, mais les c'est vrai que la semaine dernière, il y a eu un avant et un après pastel. Et là-dessus, je peux pas dire le contraire. Vous avez raison de le notifier. Mais après, j'ai... Ok, indice en bas de votre écran. C'est pas vrai, c'est un indice en fait. Pas du tout en bas de l'écran vu que c'est un indice. Oh, il va dodge avec son champi, regardez le niveau de jeu. Voilà, c'est Gaspard, quoi. Ce matin, j'ai bien mangé. J'ai vraiment bien mangé. C'est-à-dire que j'ai mangé sucré, j'ai mangé salé. Je me suis vraiment rempli de bide, quoi. Voilà.
Alors que d'habitude, je petit déjeune vite fait et après j'ai des petites collations. Là, j'ai quand même bien, bien mangé. Voilà, sachez-le. Oh, mais je passe devant Gaspard. Oh, le joueur débutant. Alors qu'il fait souvent top 20, je le dépasse à la régulière comme ça. Non, mais attends, on est où? Mais même lui, il doit se dire. Non, mais attends. J'ai un niveau de jeu bien au-delà de ce que je suis capable normalement, non? Il a une verte, hein, attention. Il va me la mettre dans le virage? Non. Il se protège. Ok, je me suis fait voler mon champi qui aurait pu me permettre de dodge la bleue. Il n'y a pas de bleu pour le moment. Oh. Non mais vas-y, je vais faire un tournoi de fou là. Oh là là, la verte! Oh là là! Il a rien. Je me protège. Oh mais je bats Gaspard. Gaspard, c'est top 20. Hein. Attends, je le backspam. Et vous savez que Gaspard, c'est top 20. Hein. What the fuck? Attends, c'est peut-être ma semaine en vrai. Vas-y, non mais ok, 1-0 pour moi face à Gaspard, parce qu'il vient d'arriver dans le... 1-0 pour moi, retenez bien. 1-0 pour moi face à Gaspard, ok? J'ai fait une belle run, hein? Dommage, c'était une course training, 3 petits points. Non, mais faut voir le côté positif. T'as quoi aujourd'hui? Non, en vrai, pour être honnête, pourquoi je vous parais si relaxé et en même temps avec un si haut niveau de jeu? C'est tout simplement parce que je me suis mis plein d'Adderall dans le pif et en intraveineuse. Donc là, tel que vous me voyez, je suis actuellement complètement drogué et donc dopé à base d'Adderall, ce qui me permet d'avoir un niveau de jeu donc à la fois à son maximum. C'est-à-dire qu'en gros, là, avec mes mains, avec mon mental, je suis capable de détruire n'importe quel room. Et en plus de ça, la victoire ainsi que les gros moves n'apportent rien au niveau émotionnel de mon côté. Vous voyez ce que je veux dire? Je reste de marbre. Et c'est donc la raison pour laquelle actuellement, je suis en train d'être très 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 fort, effectivement. Complètement drogué et donc dopé. Voilà. On embrasse évidemment la modération Twitch qui regardera ce clip en se disant « Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le bannit ou pas ?» Voilà. C'était quoi l'objectif de la semaine dernière? C'était 233. Ne prenez pas d'Adderall, jamais. Merci Géo de préciser ça, évidemment. Évidemment, ne touchez jamais à cette merde. Ok, re... Ok, donc là j'ai appuyé sur le bon bouton au bon moment, ce qui me permet de faire un super départ. Je jump ici, hop là, je saute là. Et pareil, hein, je pense que je vais jouer en détente et on va voir ce qui se passe. Hein. D'ailleurs, attendez, prédiction à lancer après cette game là, hein. Faut pas que je zappe, hein. Faut pas que je zappe zoop. Mais en fait, je sens dans ma manette et dans la tenue de ma manette, je me sens fluide en fait. Je sais pas si ça vous fait ça, des fois quand vous jouez à un jeu, vous vous sentez plus à l'aise que d'hab, que ça soit souris clavier ou que ça soit manette. Il y a des fois où vraiment tu tiens ta manette ou souris clavier et t'es en mode putain, je suis clean là. Bah voilà, bah là je suis clean. Là je me sens clean. Je vais prendre ces petites pièces. Tu vois, même ça là, je trouve ça clean. Tu sais, je me fais des petits sauts pour me remettre droit et tout. Je prends ces trois pièces, je passe devant pour prendre le double, j'ai raté le double. Enfin, tu vois, je suis vraiment clean, quoi, y a rien à dire. Là, je serre ce virage, boom. Je serre celui-là, avec du break drift. Hop, tasse, tac, je mets ça derrière. Et j'ai une rouge, une bombe. Lui, il a quoi? Il a un champi, on lui passe devant. Je mets la bombe derrière, il se prend le champi. Moi, j'arrive à avoir une vitesse exceptionnelle. Ce qui veut rien dire. Et lui, par exemple, je vois qu'il est derrière, je vois qu'il a ma compo, je le backspam. Ça touche pas, un premier backspam, il s'est pris une banane. Il s'est pris une banane. Moi, j'ai lancé ma rouge sur le 1. Et le 1, mais il a 1, 2, désolé, bro. Ok, je vais pouvoir cut ici. Ce qui va me permettre d'aller chercher une trash de fou. Attention à la banane, je prends le double. C'est le dernier tour, c'est maintenant ou jamais, j'envoie ça. Il a une protection, ou elle. Mais en fait, le problème, c'est que là, j'ai qu'une pièce. J'ai une pièce en 2, j'ai pas de chance. Il me faut au moins une rouge, sinon c'est dead. J'ai une première rouge ici, il va pouvoir se protéger. Une deuxième ici, il va pas pouvoir se protéger. Je vais passer devant et on va encore chercher une première place en fait. On va encore chercher une putain de première place en fait. Je sais pas quoi vous dire, moi je sais pas quoi vous dire, je lance la prédiction, faites ce que vous voulez. Hein. Ok, il est trop confiant, ça cache un échec cuisant. Je voterai non. Ok, d'accord.
Ok. Ok. Non mais je comprends. En vrai, je comprends. Quel va être mon objectif? Ok. Qui sera le maître des fleurs? Vais-je atteindre mon objectif 257. Oui. Non. Vous avez 30 minutes. Vais-je atteindre mon objectif 257? Voilà. 257, c'est mon meilleur score de mes 3 dernières participations, c'est-à-dire que c'était la semaine dernière. Voilà. Donc, à vous de voter. Je vais vous parler évidemment de mon Anka, mais à vous de voter, à vous de choisir, à vous d'éliminer. Enfin, non, du coup. Enfin, bref. Merci à HeroX, merci pour le 21e mois, merci Batman pour le 19e mois, Sonoko Harmonia, merci pour le 29e, Nicolorado pour le 21e, Mashmar pour le 12e mois, et du coup Breath of the Wild, non en fait Osef ça fait un an, let's go! Merci Mashmar. Merci à l'anonyme aussi qui offre 2 abonnements, ah non il y a eu un premier abonnement de 6 mois à Chausson Chaussette, un deuxième à Aliwan, merci beaucoup, un viewer de l'ombre, merci pour le 14e mois, Citron Sorbet pour le 12e mois, Moisy, merci pour le 15e mois, Seb pour le Prime, bienvenue à toi, Flush, merci pour le 33e mois, Codeby pour le sub-gift, Alcor pour le 12e mois, Swayani pour le 22e mois, merci Lokis pour le 9e mois. Alors ces maps, un avis, c'est pour moi la meilleure vague de DLC qu'il y a eu depuis le début, cette 3e vague. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi Lokis en tant que gros joueur, mais de mon côté, c'est ma vague préférée pour le moment. Et merci à Skyliner pour le 9e mois de Prime aussi. Merci à vous, merci beaucoup. Alors, la collation. Messieurs, dames, la collation, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui qui va me permettre de tenir un peu plus longtemps? J'ai effectivement bien déjeuné ce midi, on va dire. Il me reste un petit peu de tout ça, je vous le montre ici. Il y a donc une fin ici même, donc une fin de croque-monsieur, comme vous pouvez le voir là. Donc pensez, enfin voilà, très très bon croque-monsieur, mais c'est juste la fin qui est là, ok. Voilà, et j'aurai aussi une moitié de croissant. Donc on est sur quelque chose où on se dit, ok, c'est... Il a juste pris les restes de la poubelle de la boulangerie du coin. Et vous n'aurez pas tout à fait tort hein, en disant ça, effectivement. Je vote non. Mais non, arrêtez. Arrêtez. Ça graille les restes JPP à l'aide. Ben... On finit les plats. On finit les plats. On laisse jamais à manger comme ça. C'est oui, c'est la moindre des choses. Bien sûr. Bien sûr. C'est la collation de la dèche. Mais non, c'est juste... Ah, c'est pas parce qu'il y a des bouts de crocs dedans que c'est de la dèche, arrêtez. La collation d'occasion sur le bon coin. Mais non, mais vous en faites pas, c'est très très bon ce que j'ai là. T'as pas fini le croque-monsieur, sacrilège. Mais non, mais justement, c'est pour le garder pour maintenant. Justement, c'est vraiment, croyez-le. Tout est sous contrôle, ok. Je suis nul sur cette map, je vous le précise. Hein. N'attendez pas de moi une dingue. Tu te sens comment aujourd'hui, Pompon, par rapport à la semaine dernière? Ah, par contre, je me sens beaucoup mieux que la semaine dernière en termes de niveau de jeu, etc. etc. Bah, vous l'avez vu déjà sur l'échauffement. Je me sens beaucoup mieux. Et voilà, tu vois, j'arrive à doubler quelqu'un comme... Allez, let's go. Oh, je me sens bien, je me sens bien. Hop là, le snipe banane. Je vous jure que je suis chaud, par contre. Et en plus de ça, j'ai pas streamé pendant 2 jours, du coup j'étais pas là vendredi, j'étais pas là hier. Et c'est rare que je stream pas pendant 2 jours. Du coup ça m'a un peu requinqué, si vous voulez, je suis actuellement dans une énergie nouvelle. Yes. Et voilà. D'ailleurs, petit rappel hein, pour celles et ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure. Après le tournoi, on enchaîne directement sur... Pokémon! Pas forcément giga longtemps, au moins 1h30 on va dire. Parce que après j'ai un call avec des collaborateurs. Mais du coup un petit peu de Pokémon. Oh bah super, le train qui m'empêche complètement de passer à la suite quoi. C'est super. Ouais, OMG le shiny hunting. Bah non, j'ai pas terminé le Pokédex. Il faut que je termine le Pokédex. C'est ça le problème. J'ai pas fini tôt le Pokédex. Mais je fais n'importe quoi, c'est grave. C'est un call pour discuter de quoi? C'est trop chiant, vous voulez tout savoir. Plein de trucs, il y a plein de trucs. Il y a plein de sujets, plein de sujets. Plein de sujets. Plein de sujets, plein de sujets. C'est un call avec l'Elysée par rapport à l'appel qu'avait fait Rivendi pendant le Ponce la Switch de mercredi soir. Bref. On gérera ça tout à l'heure. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis.
Même pas une banane ou une clémentine? Bah, c'est une bonne question, hein, au niveau fruits. En fait, j'étais pas trop là ce week-end, donc je suis pas retourné faire des courses. Et niveau fruits, je crois que j'ai tout dégommé. Hein. Je crois que j'ai tout dégommé. C'est ça mon problème. En fait, j'aime trop les clémentines. En général, j'aime trop les clémentines, c'est mon problème. Genre, je vais acheter des clémentines. Je vais en acheter genre 10 en me disant, mais de toute façon, elles vont pourrir, c'est sûr. Et les 10, en fait, je les pulvérise en 4 jours. Et encore 4 jours, je suis gentil. Donc, j'ai plus de clémentines, non. Et même les bananes, hein. Les bananes, je me retiens parce que sinon, j'en mange 2 par jour, mais bon. Trop bon, la clémentine. Stylé, les modes clémentine type Steven, j'avais pas vu. Stylé. Merci Fox pour le 8e mois, merci Absoline pour le 10e mois, la Switchose 33 mois, Popsy Goozy, merci pour le 19e mois, Daxor pour le 8e, Ultima Poutra pour le 26e. Bonjour Ponce, un nouveau mois, ça veut dire une nouvelle question pertinente. Selon toi, que doit-on faire quand on voit un animal en danger d'extinction manger une plante en danger d'extinction? Merci de ta réponse, sans langue de bois comme toujours. Donc en gros, Ultima Poutra, tu dis, imagine tu vois donc un animal qui est en voie d'extinction, qui est en train de bouffer une plante qui est en voie d'extinction. Eh ben, je me réveille. Je me réveille et je vais me brosser les dents et je lance un café, quoi. Voilà. Je pense, hein, en vrai. Je pense, non. En vrai. Parce que, je sais pas dans... Je sais pas où ça a été déjà vu quelque part, tu vois, quand même, ce truc-là. En vrai, les plantes. En vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. Brossage de dents avant le café. Non, mais c'était... En vrai, oui, ça m'arrive, par contre. Tu sais que ça m'arrive vraiment. En fait, ça m'arrive des fois de me brosser les dents, de faire plein de trucs le matin, puis de me faire le café un peu après, plus tard dans la matinée. Ça peut m'arriver, en vrai. C'est vrai. Genre, en gros, imagine, je me lève, genre, je sais pas, à 8h30. Et genre, je vais me brosser les dents. Et ensuite, je me ferai mon café, genre, à 10h30. Honnêtement, ça m'arrive. Sympa. Se brosser les dents. Ah par contre moi j'ai une hygiène dentaire et buccale irréprochable hein, de ce côté là. Il est impossible pour moi de m'endormir si je ne me suis pas brossé les dents. C'est impossible. C'est totalement impossible. Et d'ailleurs même tu sais en soirée quand t'as pas prévu, quand t'es en galère, même quand t'es machin et tout, bah en vrai, ça paraît con mais... Mais en fait, je prends mon doigt, je mets du dentifrice dessus, et j'essaye, quoi. C'est de la tentative. Je vous jure, hein. Au pire, hein. Si vraiment c'est un peu... Au pire, hein. Ah, écoutez, en vrai, 31 ans, 0 carie. Et fan de bonbons. T'imagines? Oh, putain. En vrai, hein. Ah ouais. Tu pourrais faire astronaute. C'est vrai que je pourrais faire astronaute rien que grâce à ça, quoi. 32 ans, jamais eu de carie non plus. Bah GG, let's go. Avec la brosse à chiottes. J'ai jamais fait et je pense que je ferai jamais. Voilà. Je suis sûr même que je ferai jamais. Sûr et certain. Si elle est neuve en vrai. Oui, non mais là... En vrai de vrai, si elle est neuve, c'est différent forcément. Une neuve, la question se pose. Une neuve, ok. Du coup, merci aussi à Margot pour le 6e mois, merci à GoTube pour le 22e, Codeby pour le subgift, à Colonel Prostate, merci à Foofeather pour le 16e mois, merci à Roman pour le 16e aussi, Pikachu pour le 19e, merci à Fait N'importe quoi pour le 13e, APHP pour le 4e mois, Night Ace pour le 7e mois de Prime, merci à... Attendez, je termine cette map, let's go, qui est pour moi une des meilleures maps de ce DLC pour le moment, Lagbou, elle est exceptionnelle la map, vraiment. Elle est dingus. Regardez déjà ce cut. Regardez ce cut. Absolument pas maîtrisé. Et pourtant, let's go. Je sais pas qui a lancé cette verte, mais franchement, GG.
Let's go. Oh, hier, je suis allé manger un ramen à Yatai Ramen. Je vous ai déjà parlé de cette adresse, le Yatai Ramen, qui est vraiment un ramen excellentissime. Au-delà des ramen, d'ailleurs, un resto très, 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 très bon à Paris. Yatai Ramen. Et en fait, ça m'a fait un peu mal au cœur parce que j'ai pris une photo de mon ramen. Parce que à chaque fois que je mange un ramen, je prends une photo, tu vois. Et j'ai pris une photo de mon ramen, je l'ai mis en story. Et genre, il y a, je pense, 2 réponses sur 3, c'est des gens qui me disent « Ah, bah cette fois-ci, le ramen donne envie. Ah, pour une fois, la photo est un peu mieux. Ah, eh bien, enfin une photo réussie de ramen. » Et ça m'a fait un peu mal au cœur, parce que c'est vrai que à chaque fois que je mange un ramen, je fais une photo et je me dis « Ok, donc depuis le début, les gens ont juste envie de vomir en voyant ma photo, alors que le but, bah, tu sais, c'est l'inverse, c'est plus donner envie, quoi. » Et genre, j'ai trouvé ça assez dingue, comme tout le monde était accordé. Oh, le saut ! Tout le monde était accordé pour dire que c'était mieux que d'hab. Et du coup, sous-entendu, bah, d'hab, c'est à chier, quoi. J'étais choqué. Je vous jure. Genre, je suis sûr que là, je prends mon téléphone, je vais dans les DM de manière random. Sur Instagram, je suis dans les DM. Je descends. Non, bah ça a aucun rapport. Voilà. Cette photo est déjà bien mieux que celle de la dernière story où tu en mangeais. Tu es une très jolie fleur. T'as pas appris de tes erreurs, Ponce. Ah bah, y a même quelqu'un qui dit que c'est pas mieux. Ça fait trop mal au cœur. Ah, la photo est mieux que la précédente au sujet du ramen. Je vais vous faire un montage, je vais vous la mettre en story, je vous jure, c'est exceptionnel. Hein. Belle photo, pour une fois, ça donne envie, BG. Je prends trop cher, mais pourquoi? C'est trop grave. Ça s'améliore en termes de prise de photo de ramen. Mais comment c'est possible que tout le monde soit sur la même longueur d'onde vis-à-vis de mes photos de ramen? Pas trop mal ta photo cette fois-ci. Là aussi ça donne pas envie. Mais comment c'est possible? Genre je suis sûr que vous avez un groupe WhatsApp qui s'appelle genre les photos de Ponce du ramen sont immondes et que vous mettez d'accord pour faire des raids haineux. Non? Genre vous faites des raids haineux en vrai. C'est pas possible. La photo est déjà mieux que l'autre fois XD. Mais arrêtez! Mais je vous jure. Comment il peut y avoir autant de messages qui disent ça? Genre, autant, c'est énorme! C'est trop grave. Tu es une très jolie fleur. Ouais, Mickey, c'est quand j'ai vu Mickey? J'ai vu Mickey. C'est quand j'ai vu Mickey, c'est mon pote. C'est Mickey. Mais bon voilà quoi, donc je ferai un montage je pense ce soir, je mettrai ça en story pour vous montrer à quel point il y a un Discord malveillant qui essaye de discréditer mes photos de ramen. Mais je capte. Pose-toi les bonnes questions Ponce. Non mais alors, premier degré, je suis totalement au courant que je suis peut-être un des pires photographes. Enfin, moi, l'image, c'est pas ma spécialité. Et je sais que mes photos, à chaque fois que j'ai des potes, des proches ou quoi qui me disent « Ouais, vas-y, on prend une photo et tout », et que c'est moi qui prends la photo, mais les gens sont déçus, en fait. « Ah, je la voyais pas comme ça et tout. » Des fois, ils prennent des pincettes, tu vois, et ils me disent genre « Ah, ok, je voyais pas sous cet angle et tout. » Et des fois, ils prennent aucune pincette et ils me disent « Mais vraiment, elles sont immondes, tes photos. » Ça dépend. Mais je le sais, hein. Enfin, je le sais. Enfin, bref. De toute façon, on a chacun nos défauts, hein. C'est comme ça, hein. Mais elles sont immondes, mes photos. Je sais. C'est très bien. Ok. Je t'envoie ça. Voilà. Essaye de changer de téléphone. Non, mais en plus, le pire, c'est que j'ai un super téléphone. Il prend des très belles photos, hein. Genre, même souvent, les gens prennent mon téléphone pour faire les photos, parce que c'est un très bon téléphone qui prend des belles photos, quoi. C'est moi qui prends mal les photos. Et je le sais, je suis au courant. Je
pourrait nous dire merci d'être objectif du coup. Oui, non, mais c'est vrai, il y a une part de moi qui vont... La bombe, let's go. Je viens d'aller voir, mais là, c'est pire. De quoi, ma photo de ramen? Non, en vrai, ok, allez sur Insta, allez sur mon compte Insta, s'il vous plaît. Enfin, s'il vous plaît, faites ce que vous voulez, mais si jamais il y en a certains et certaines qui ont Insta à portée de main, allez voir ma story du ramen et dites-moi si c'est si immonde que ça, genre. J'ai besoin d'avis constructifs, s'il vous plaît. Fais un sondage Insta. Mais je vais faire ça, hein. Il me faut un avis, un truc... Elle est bien, elle est très bien, c'est pas ouf, ça va. C'est un crime contre l'humanité. Non, mais d'accord. C'est banal, un peu. C'est mieux que la dernière fois, ça va. T'as essayé d'activer le mode ramen sur l'appareil photo? Non, j'ai pas fait. Elle est bien. Ça gratte des abonnements au passage sur Insta. Putain, oui, abonnez-vous! Abonnez-vous, hein, sur Instagram, bien sûr, hein, quitte à être sur le compte, je vais pas vous mentir, hein, autant vous abonner sur Instagram. En plus de ça, vous aurez de nombreuses photos. Et inside, une fois que je serai dans l'hôtel, j'essaierai de retranscrire l'odeur, en fait, à travers les stories et à travers l'image. Je vais essayer de retranscrire l'odeur. Ce qui est pas simple, hein. Moi, j'ai trouvé ok, ça m'a donné envie de manger des ramen. Bon, bah, ça va, alors, si ça donne envie de manger des ramen, c'est que ça marche. Indifférence la plus totale ici. Trop zoomé la photo. Ok, faut reculer du plat. Ok, en vrai je note. J'ai voté par Baby. Let's go. La photo est top, juste essaye une autre perspective. Ok. Je viens de répondre sur Insta. Montre. L'œuf donne pas vraiment envie et puis la colorimétrie est pas ouf et le cadre est trop serré. Ça va, c'est ok tiers, mais à quand un live smash? Moi, je trouve qu'elle est bien. La photo est très bien, si le ramen n'est pas esthétique, c'est plutôt la faute du gars qui a fait le ramen. Ouf! En direct du live, les photos de ramen, il faut les prendre du dessus. J'ai liké. Je viens du live, franchement, ça va, c'est l'espé Japon otaku qui chipote. En vrai, c'est ok, pas nul, mais pas génial non plus. Vous voyez? Il y a un peu de tout, hein. J'avoue, à quand un live smash? Non, mais c'était pas forcément... Ok, c'était pas forcément le thème, mais tranquille. Oula, Diano. Oula, attendez, on va focus un peu Diano ici. Diano, regardez. Diano qui a décidé littéralement de s'accoupler avec un mur. Qu'est-ce que tu fais quoi là? Diano? Diano? Et si jamais tu m'entends, Diano, si jamais t'es sur le live ou autre, tu peux désactiver le gyroscope. Aïe, oh, ça va. Tu peux désactiver le gyroscope, Diano. Parce qu'apparemment, t'as l'air de tenir ta manette un peu vers la gauche. Attends, mais du coup, elle serait comment? Ah, je pense qu'elle est comme ça, mais vraiment, hein. C'est donc ça le Joy-Con Drift. Ok, j'ai remis. Oh oui. Oh, regardez la remontada qu'il va y avoir. Attends, mais il est parti où d'ailleurs, Diano? Mais Diano, mais attends-moi! Ah, ça dégage, tout le monde dégage. Ils sont déjà arrivés 8 fois, hein, je crois. Ça fait un moment que j'ai pas suivi de live. Est-ce que tu veux toujours déménager? Ouais, carrément. Carrément, c'est en cours de... C'est en cours. Ça cherche fort. Oui. Diano qui a pas suivi, dommage. J'ai tellement confiance en toi, Pompon, que je vote oui. Si j'ai un Pachi Shiny. Mais toujours pas vu de Pachi Shiny avec les messages en avant, by the way. Salut Ponce, toujours un plaisir de regarder tes streams, surtout le dimanche sur MK8. Cependant, en parlant de MK8, je voudrais faire une mini-pub pour une team compétitive MK dont je fais partie, équipe dont le nom est La Horde, qui est le futur deuxième roster de La Meute, qui est actuellement champion de la D9 MKU, la division 9. Si jamais des personnes sont intéressées, n'hésitez pas à contacter Mister-Melin, #5742 sur Discord. Les DM sont ouverts, on vous attend nombreux et nombreuses GL pour le tournoi Ponce. Voilà, j'ai fait passer le message. Voilà.
Il y a tellement de gens qui se sont mis à du compétitif MK en vrai. Ça me régale. Ça me régale. Rubix, les 2 ans dans l'ombre. Merci Rubix. Non mais vous êtes giga nombreux là. Merci It's Rose pour le 5e mois. Merci Joshiro pour le 24e mois. Chronomètre, merci pour le 14e mois. Uther pour le 20e. Tseitsei pour le 3e. Marianne pour le 23e. Mary, merci pour le 14e. Typhus pour les 2 ans, 24 mois. Matthews pour le 27e mois. Lac pour le 9e. Juicard pour le 9e. Supportingo pour le 4e. Merci Anae pour le raid d'ailleurs. James le Sauvageon, merci pour le 2e mois. Salska Sheldon, merci pour le Prime. Merci à Gwen pour les 200 bits. Je sais que je parle qu'une fois par mois récemment, mais j'avais des bits à dépenser. Merci Gwen, j'espère que tu vas bien avec tes études et tout, que ça se passe bien. Rubix, les 2 ans, du coup, merci. Céliners, merci pour le 10e mois. Rukoishan, merci pour le 14e mois. Lazdara, merci aussi pour le 7e mois. Je suis fan de Ponce, merci pour le 6e mois. Merci beaucoup. C'est très gentil. L'échauffement se passe au top, là, hein, tel que vous pouvez le voir ici. Let's go, ça part de là. Le tournoi commence comme d'habitude, messieurs dames, hein, je vous le rappelle, à 15h. Tout le monde peut participer, il n'y a pas de nombre limite de participants. La seule limite, bien sûr, c'est votre envie, messieurs dames. Le code du tournoi, il est écrit en bas, sur l'overlay, hein, bien tranquillement. On regarde le top 20 à la fin du tournoi pour savoir qui sont les 20 meilleures personnes du tournoi. Et voilà, moi, mon objectif, il est de 257, qui est mon meilleur score des 3 derniers tournois auxquels j'ai participé. C'est un score qui est plutôt bon, hein. Honnêtement, c'est plutôt un très très bon score, qu'on va quand même essayer de battre, hein, y a pas de souci. Pour savoir mon niveau de jeu en ce moment, il est... Alors, malgré ce que vous venez de voir sur les 3-4 dernières courses, mon niveau de jeu est stratosphérique ces derniers temps, de par tout simplement une maniabilité quasi parfaite de cette manette que j'ai actuellement en main. Et voilà. Voilà, tout simplement quoi. Bah voilà, Jojo qui me fout sa petite verre dans la gueule, c'est bon ça. Je prends quand même le double item. Pas mal à ce stade de la compétition en vrai. Oui. 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 Oui, 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 premier. Où est la prédiction? Tout en haut du chat, la prédiction, toujours, elle est tout en haut du chat, si vous la... Ah oui, il y a un train de live, c'est pour ça, ça bloque. Vous pouvez cliquer, normalement, vous avez un petit bouton qui vous permet de voir plus de choses. Au-delà, voilà, vous pouvez voir la prédiction, normalement, mais oui, il y a un train de live, c'est pour ça, je crois. Voilà, comme j'avais dit, je suis plutôt bouillantissime aujourd'hui, comme promis, bien sûr, je ne mens pas. Partons ici même sur le... Allez, attends. Ou alors, vous pouvez cliquer, effectivement, sur vos pétales, très bien vu. En bas à gauche de votre chat, vous cliquez sur les pétales et vous avez la prédiction qui s'affiche. Actuellement, 52 millions de points de chaîne, en jeu, c'est pas mal, mais ça peut monter à plus selon moi. 52 millions de points de chaîne en jeu avec 28% sur le oui, 72% sur le non. Vous avez pas tort, en réalité, 257 c'est un objectif qui est élevé. La semaine dernière, je sais pas pourquoi j'ai fait un score entre guillemets si haut, mais c'est beaucoup 257. Voilà, je préfère le préciser. Et merci à Space Saturn 14 mois, merci à EasyWoos 25 mois, Tibal 13 mois, Peik 4 mois, Bymats les 2 ans 24 mois, Didralis 28 mois, Diswok 6 mois aussi. Merci à vous. D'ailleurs, je vous rappelle juste un dernier truc, parce que c'est la dernière course, après on va partir en mode un peu tryhard tournoi, même si on aura le temps de reparler vu que j'enchaîne avec Pokémon, hein, juste après. Mais juste, rappelez-vous une chose, c'est que lundi, demain, je ne serai pas en live, car je prends le train pour aller à l'hôtel, pour passer une semaine dans un hôtel avec la guilde qui a été faite par Zerator sur la nouvelle extension Dragonfly de World of Warcraft. On sera pendant une semaine non-stop dans un hôtel à essayer de faire ce qu'on appelle le progress, c'est-à-dire d'aller tuer... d'aller tuer tous les boss des raids, etc. etc. Donc ça aura lieu de mercredi à mardi de la semaine encore après. Donc pendant, ouais, comme je vous dis, une semaine. Hein. Une vraie semaine. Et on sera en live tous les jours. Tous les jours de 13h à minuit. Voilà. Sur World of Warcraft, dans l'idée. De 13h à minuit sur WoW. Tous les jours. Et pour le coup, même samedi et même dimanche, quoi. Bien sûr. Voilà. Aïe! Et effectivement, on va s'inscrire... on va faire venir un huissier pour essayer de s'inscrire au Guinness Book des records concernant l'odeur de la salle qui, à mon avis, sera aussi nauséabonde
qu'une crypte mal fermée. Je pense. Je pense. J'espère qu'on gagnera en tout cas. J'espère qu'on gagnera. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un gros niveau de jeu, hein, étant donné l'odeur, ça c'est sûr. Ok. T'es hype? Ah mais moi je... Là je suis comme un enfant en ce moment, hein. C'est-à-dire que... Vous savez cette sensation qu'on a quand on va se coucher et qu'on pense aux projets sur lesquels on est en train de bosser ou autre? Vous savez, cette sensation un peu genre tu t'endors et tu dis ah ouais on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais en ce moment moi je m'endors en me disant ah ouais là dans 3 jours je vais être dans un hôtel avec tous les potes et on va faire du beau absolument toute la journée. Et je pense à ça, tu vois, je pense à mon stuff, je pense à ma spé, je pense à mon opti, je pense bien sûr. Regardez, je passe dans le nez de Luigi, rien à foutre. Ok, c'était pas ouf. Que je peux aller gratter du temps là. Genre, comme ça. Ah, je me suis fait voler mon champot, j'ai pas vu. Et du coup, ouais, non, pas de mettre des fleurs demain, exceptionnellement, pas de mettre des fleurs, mais du coup, exceptionnellement, il y aura un mettre des fleurs qui sera, bah super, qui sera jeudi 22, quand je serai rentré en fin de journée le soir. Voilà. Il est 14h58, je vous laisse le temps de parier encore tout en haut du chat, messieurs, dames, moi je vais quitter tout ça, je vais aller faire le pipi d'avant tournoi, même si j'ai pas trop envie de faire pipi, et du coup ça veut dire que j'aurai envie de faire pipi pendant le tournoi, j'en suis sûr, je me connais par cœur. J'enlève échauffement, parce que du coup l'échauffement est finito,